gouvernement burkinabé apporte son soutien aux populations de Soum éprouvées par les dernières attaques terroristes. Une mission gouvernementale s'est rendue sur le terrain ce 6 mars. La mission a rendu visite aux familles éplorées avant d'aller constater ce qui reste après le passage des assaillants. Nous sommes à 2 jours de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Dans ce journal, nous vous amenons à la découverte des femmes battantes de la commune de Gounguin. Elles font de la poterie leur principale source de revenus. Le 8 mars, nous en parlerons davantage avec l'invité de ce 20h, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Et puis depuis ce 6 mars 2017, le vaccin dénommé MenAfricVac est désormais introduit dans la vaccination de routine au Burkina Faso. L'introduction de ce nouveau vaccin permettra d'éradiquer les épidémies de méningite à méningocoque A. La cérémonie d'introduction du vaccin MenAfricVac a été organisée ce matin à Ouagadougou par le ministère de la Santé et ses partenaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, une délégation gouvernementale s'est rendue ce matin à Djibo pour traduire aux populations de cette partie du Burkina Faso le soutien et les encouragements du gouvernement suite aux récentes attaques perpétrées dans cette province. La délégation était conduite par le ministre d'État, ministre de la Sécurité, M. Simon Compaoré. Elle s'est rendue dans les familles des victimes de la dernière attaque avant d'aller constater les services qui ont été ciblés par les assaillants. La délégation gouvernementale a aussi échanger avec les corps constitués de la province du Soum. On fait le point avec Ousmane Kietka et Bernard Diassou. La situation sécuritaire est préoccupante au Sahel. Il faut du courage. C'est la mission assignée à cette délégation gouvernementale venue réconforter les populations du Soum et aussi leur témoigner la compassion du gouvernement au lendemain de l'attaque perpétrée par des hommes armés à Cour Fayel. Le gouvernement pour venir d'abord saluer, présenter nos condoléances aux deux personnes qui ont été victimes de la barbarie des terroristes. Je vais parler du directeur d'école de Cour Fayel, M. Badini Salifou et M. Tamboura. Qui est un parent d'élève. La mission a profité de l'occasion pour visiter l'école, le commissariat et la mairie de Tongomayel qui ont été des cibles d'attaque. Au cours de la visite, la délégation a eu des entretiens pour remonter le moral des troupes et celui des populations du Soum. Ce que je constate, c'est que la psychose s'est installée. Nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère de l'Éducation nationale sur les propositions que nous pouvons faire à convenir avec les enseignants. Mais je crois que dans l'urgence, c'est ce qu'a aussi dit le ministre d'État, du côté de la sécurité, l'État a décidé de prendre ses responsabilités. Le gouvernement condamne de tels actes et invite les populations à coopérer avec les forces de défense et de sécurité afin de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. Et puis en territoire nigérien, à Wansarba, une localité située à une trentaine de kilomètres de la frontière burkinabé, ce sont 7 gendarmes qui ont été tués dans une attaque dans la nuit de dimanche à lundi. 4 autres gendarmes ont été grièvement blessés. Et juste la situation sécuritaire au Burkina Faso a été au centre des échanges aux premières journées du groupe parlementaire Burkinlum. Les députés de ce groupe parlementaire ont fait une analyse de la situation sécuritaire au Burkina Faso avant d'identifier les défis à relever en la matière. Ils étaient réunis à Bougandé dans la province de Lanyanya les 3 et 4 mars derniers. Aimé Douamba, Rasmata Ouedraogo et Mamadi Ouedraogo. Une minute de silence en mémoire de Salif Badini, précédemment enseignant à l'école primaire de Cour Fayel, et les autres patriotes arrachés à la nation suite aux attaques terroristes, a marqué le début de ces journées parlementaires du groupe Burkinlim. Convaincu que la survie et le développement dépendent de la stabilité d'un pays, ces députés entendent œuvrer pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens au Burkina. Aucun homme pris individuellement, s'il ne dort pas tranquillement, s'il ne dort pas avec assurance que demain il n'est pas inquiété, il va se réveiller en paix, il ne peut même pas penser comment se nourrir. Donc, c'est des moments de réflexion pour les députés. Ensemble, nous allons discuter. Nous ne sommes pas seuls les détenteurs du savoir, mais unis, comme on le dit, nous vaincrons. Pendant 48 heures,
Ces élus parlementaires ont passé au peigne fin les enjeux liés à la situation sécuritaire au Burkina. Ils se sont également penchés sur les préoccupations des populations de la Yanya. Nous avons recensé l'ensemble des défis et des menaces. Tout ce qui est déjà installé en termes d'insécurité dans notre pays et aussi jeter des perspectives sur les solutions à venir pour essayer d'endiguer le phénomène. Au sorti des travaux, les membres du groupe parlementaire Burkinlim recommandent la tenue d'un forum national sur la sécurité et l'adoption d'une politique nationale de défense et de sécurité intérieure en vue de relever les défis face à la montée de l'insécurité au pays des hommes intègres. Et quel est le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la prévention et le règlement des conflits à travers le monde? Cette question a servi de thème d'une conférence organisée au profit des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namwano. Ils sont une quarantaine à avoir suivi cette conférence initiée par le Centre d'information des Nations Unies. Nongba Kouda et Yolande Lompo. L'ONU dans la prévention et le règlement des conflits dans le monde. C'est le plat de résistance servi à la 16e promotion de l'Académie militaire Georges Namwano. En organisant cette conférence publique, le CENU, le Centre d'information des Nations Unies au Burkina, veut apporter plus de visibilité aux actions de l'ONU. C'est agi pour nous d'échanger avec eux et sur les mécanismes mis en place par l'ONU et dans le cadre de sa contribution dans la promotion de la paix dans le monde. En allant bien sûr des questions de prévention de la paix et à le maintien de la paix, la consolidation de la paix et l'imposition de la paix. Dans un contexte international marqué par une insécurité grandissante, cette formation vient à point nommé. Le contexte tel qu'il est, les conflits, nous ne pouvons pas nous en échapper. Et il est également intéressant que nous ayons des connaissances sur les institutions qui interviennent également dans le cadre de la gestion de ces conflits-là. Le Burkina Faso est aujourd'hui engagé dans les missions de maintien de la paix. Et de les officiers ont devenu que nous sommes, il est important que nous sachions dans quel texte et quel est le but des Nations Unies dans l'intervention dans ces différents pays-là pour instaurer la paix. La conférence du CENU a réuni 42 élèves sous-officiers d'actifs de 9 nationalités. Autre point de l'actualité, les entreprises informelles seront bientôt dans le secteur formel au Burkina Faso. Un programme qui accompagne cette philosophie a été lancé ce lundi à Ouagadougou. Ce programme va soutenir plus de 9000 entreprises et des leaders d'associations par des actions innovantes pour leur participation au développement de l'économie burkinabé. Le lancement de ce programme a été présidé par Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Le reportage de Adama Djiti et Nyarki Teda. C'est un nouveau vent qui souffle sur les entreprises informelles au Burkina. 9450 entreprises des 13 régions vont transiter de l'informel vers le formel. Enjeu, leur permettre d'être viables et de participer effectivement de façon active au développement de l'économie burkinabé. La transformation passe par l'information, la sensibilisation et la formation. Ces formations sont innovantes dans la mesure où elles vont permettre aux acteurs de choisir la langue dans laquelle ils voudraient être formés et aussi 3 modules tout au plus dans lesquels ils voudraient donc améliorer leurs compétences. Il est aussi prévu une action de coaching, c'est-à-dire que chaque acteur qui a souscrit pour le coaching se verra affecté 2 coachs, un coach junior et un coach senior. Cette phase de renforcement de capacité dure 8 mois et prépare la seconde phase. À cette seconde étape, il sera question de la mise en place de l'amélioration de l'accès au financement par un système de négociation souple pour transformer conséquemment ces entreprises, foi du patron de la cérémonie. La modernisation et l'élimination de la précarité par une meilleure organisation de ce secteur devrait accroître son efficience et sa productivité et en faire des unités de production structurées, modernes, dynamiques et compétitives. Outre le gouvernement, le Parlement et les structures techniques de la Chambre de commerce, le proactif bénéficie du soutien de la BAAD,
La représentante de l'institution l'a réaffirmé ce matin, la banque ne ménagera aucun effort pour appuyer le gouvernement burkinabé à atteindre son objectif. Nous sommes à deux jours de la célébration du 8 mars, la Journée internationale de la femme. Et nous vous proposons dans ce journal de découvrir une activité à laquelle s'adonnent plusieurs femmes de la commune de Gungun. C'est dans la province du Kuritenga. Il s'agit de la poterie, une activité qui se transmet de génération en génération dans cette localité. Et malgré les difficultés qu'elles rencontrent, les femmes qui exercent dans la poterie affirment avoir trouvé une solution pour sortir un tant soit peu de la pauvreté. On les découvre dans ce dossier signé Aimé Douam. Âgé de 68 ans, Gesbambin Balma, originaire du village de Bonessin dans la commune de Gongin, s'illustre dans la poterie. Elle façonne des canaries et autres objets servant d'ustensiles de cuisine, un métier qu'elle exerce depuis son enfance. Quand je suis arrivée aussi dans ce village, après chaque campagne agricole, les femmes s'adonnent à la poterie. Chaque localité a son métier. Pour la fabrication, la matière première ramenée des bas-fonds est séchée, puis trempée dans l'eau. La pâte obtenue est ensuite pétrie à la main et aux pieds. Après plusieurs manipulations, les différents objets obtenus passent à la cuisson avant leur usage. Une activité qui est jalonnée de difficultés. Le travail de la poterie est très complexe. Il nous faut beaucoup d'eau et cette denrée est rare ici. L'extraction de la matière première demande aussi beaucoup de matériel. Il nous faut du bois pour la cuisson et des charrettes pour le transport. Tout cela n'est pas facile. Pratique ancestrale, la filière de la poterie est la principale source de revenus de la plupart des femmes et des jeunes filles de ce village. Parfois, mes recettes vont de 30 000 à 40 000 et voire même 45 000 francs par lot de cuisson. Ces revenus m'aident à subvenir aux besoins quotidiens de la famille, comme la santé et les vêtements. Notre mari est en Côte d'Ivoire. C'est avec cet argent que j'arrive à payer également les frais de scolarité des enfants. La majorité des clients de ces potières de Gongé proviennent de Koukpela et de Fadangourma, dans le Grand Est du Burkina. J'achète les canaries et les autres pots de toute taille. Je les revends entre 225 et 250 francs d'unité pour avoir au moins 50 francs de bénéfice. Je m'en sors dedans car c'est mon quotidien depuis 14 ans. Des besoins en formation et l'adaptation de leurs produits aux énergies renouvelables sont entre autres préoccupations des potières, des doléances qui pourraient trouver réponse si elles étaient mieux organisées. Le ministère a adopté en 2015 une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Dans cette stratégie, il y a également des actions de formation, de renforcement des capacités, d'appui à l'acquisition des ressources, des moyens de production. Mais on trouve que si elles sont organisées en groupement et association, elles ont besoin d'accompagnement. Selon ces femmes, cette filière risque de disparaître car la plupart des jeunes filles migrent vers les villes à la recherche d'auto-travail au détriment de ce métier. Et on revient à Ouagadougou pour découvrir une autre femme qui est aujourd'hui un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Assietou Traoré Lengani et elle évolue dans la transformation des produits locaux dans le domaine de l'alimentation. Elle propose aux consommateurs une gamme variée de produits alimentaires made in Burkina Faso. Son exemple pourrait inspirer d'autres femmes à entreprendre en vue de sortir de la pauvreté. Son portrait avec Bilidou Bazongo et Draman Dadia. Du spaghetti à base de maïs et de petit mil, de la farine pour diabétiques, du riz pré-cuit et des jus de céréales. C'est en somme une trentaine de recettes à déguster chez Assietou. Transformatrice, elle donne de la valeur ajoutée à nos produits locaux. Ce que moi j'ai innové là, moi, franchement, pour vous dire la vérité là, je ne peux pas exploiter ça jusqu'à ma mort. Je ne peux pas. J'ai fait beaucoup d'innovation. Je vois que ça va marcher, mais je ne peux pas seul. Tout super. Oui. On vous demande s'il vous plaît. Oui. Une quinzaine de femmes sont actuellement à l'école de Tout Super, comme on aime l'appeler ainsi dans le quartier. Son savoir-faire, elle accepte de le partager volontiers à ceux qui frappent à sa porte. Celle qui dit qu'elle n'a pas de boulot, moi,
donne ma parole, elle n'a qu'à venir, moi je vais la chercher du boulot. Je peux les former. Il ne faut pas que quelqu'un s'assoie aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de boulot. Même si tu étudies là, si tu n'as pas du boulot, tes mains là, c'est du boulot. Moi, j'ai commencé mon travail là avec 1250. Avec 5 yorba, 5 cuvettes de petits mille. Et je n'ai rien ajouté avec ces 1250 là, que j'ai utilisé jusqu'à nos jours. Et c'est ça qui a amené tout ça là. Même la voiture qui est dehors là, c'est les 1250 qui a payé. Formatrice, transformatrice et restauratrice depuis une vingtaine d'années. Dame Traoré se lance à présent dans la conservation des produits locaux, sa matière première, avec des techniques propres à elle. Ah, c'est mon laboratoire. C'est pour expérimenter les produits locaux, la conservation de nos produits, pour voir ce que ça va donner. L'eau de pluie, depuis 2016. Ça, c'est du poivron. Ça, ce sont des carottes. Toi aussi, c'est du poivron. Là, c'est du piment. Ça, c'est des tomates. On fait la pâte de tomate. La pâte de tomate aussi. Ça, ça dure. En tout cas, ça peut faire 2 ans même. Ça, c'est la tomate fraîche. Que je suis en expérimentation. Ça fait 6 mois de cela. Donc, j'ai fait avec la cendre. Femme entreprenante, cette mère de 4 enfants a déjà reçu 31 prix à l'échelle nationale et internationale et 3 trophées, dont celui de la créativité. Et toutes les femmes seront à l'honneur mercredi prochain à l'occasion de la journée dédiée à la femme à travers le monde. Le Burkina Faso va célébrer cette journée sous le signe de la lutte contre l'exclusion sociale dont les premières victimes sont les femmes. Nous en parlons avec le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Madame Laure Nguyen. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir Madame Kaoré. Alors avant de parler du 8 mars, peut-être une réaction à la suite de ces 2 reportages. Oui, je dirais que je suis tout à fait séduite par ces reportages que nous venons de suivre ensemble. Et je salue l'engagement, la détermination et le courage que ces femmes battantes ont de travailler à leur propre autonomisation. Et je voudrais encourager toutes les femmes à s'engager, à emboîter leur pas, parce qu'elles nous ont prouvé que lorsque les femmes sont déterminées, elles y arrivent toujours. Alors, Madame la ministre, le 8 mars, c'est dans 2 jours. À ces jours, à quel point vous pouvez nous faire concernant l'organisation de cette journée? Ok, merci bien. Je dirais qu'en rappel, le 8 mars, ou Journée internationale de la femme, est un jour spécifique dédié à toutes les femmes du monde entier. C'est une journée qui a été initiée en souvenir de toutes les luttes qui ont été engagées. Donc c'est pour célébrer le triomphe des années de lutte qui ont été engagées pour promouvoir et pour la reconnaissance des droits des femmes. Et donc le Burkina Faso, qui a des engagements sur le plan international, ne peut pas être en reste. Et donc je dirais qu'au Burkina Faso, nous nous préparons pour commémorer cette journée le 8 mars. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais que nous sommes fin prêts. Vous êtes prêts. Alors, le thème porte sur l'exclusion sociale là, dont les premières victimes donc, sont les femmes. On sait qu'au Burkina, il y a déjà des textes qui existent pour combattre ce phénomène. Est-ce que vous estimez que ces textes-là sont suffisamment appliqués? C'est vrai, il existe des textes pour combattre ces phénomènes et surtout pour protéger et promouvoir les droits des femmes, et tant au niveau international, régional que national. Au niveau international, nous avons par exemple la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention bannit toute pratique qui est culturel, attentatoire à la dignité et aux droits de la femme. Nous avons aussi sur le plan régional le protocole de Maputo qui également interdit et condamne toute forme de pratique néfaste à l'égard des femmes. Et sur le plan national, nous avons également le code de la famille qui est là. Nous avons la loi 061 et nous avons également la loi sur la promotion et la protection des personnes âgées. Toutes ces dispositions, vraiment,
ont des dispositions qui luttent contre la pratique. Bon, ces pratiques, on dira que sur le plan juridique, des dispositions sont là, des dispositions sont mises, elles sont appliquées, mais peut-être qu'elles ont besoin d'être renforcées, sinon on dira qu'elles sont appliquées. D'accord. Le 8 mars, au-delà de l'aspect festif, est-ce qu'il y a des cas de réflexion que vous avez déjà entamés ou qui sont à venir dans le cadre de cette journée? Oui, tout à fait. Et il y a eu des cadres de réflexion déjà sur le choix du thème qui, cette année, nous interpelle sur la promotion et la protection des personnes vulnérables, principalement les personnes âgées, parce que nous avons vu que les personnes âgées, surtout les femmes, elles sont pour la plupart, en tout cas c'est un fait qui est récurrent, victimes d'exclusion sociale, surtout par allégation de sorcellerie. Donc ce cas nous a interpellés, ce qui a fait que cette année nous avons retenu comme thème la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Et donc, ce thème-là, nous avons eu à avoir des séances de sensibilisation, d'information au sein des communautés, dans les provinces, dans les régions. Et nous avons aussi, en marge de la commémoration, eu le 3 mars dernier un panel sur le thème avec deux sous-thèmes. Donc, ce qui a amené à créer le débat, et au sortir de ce panel, nous avons eu des recommandations que nous pensons que ça pourra nous aider à avancer sur la question. D'accord, très rapidement, Madame la Ministre, avant de nous donner le programme de la cérémonie d'après-demain, qu'en est-il de la polémique autour du pain du 8 mars? C'est vrai, depuis quelques années, nous assistons à une polémique autour du pain du 8 mars. Mais je dirais que nous devons nous référer sur la délibération du Conseil des ministres du 2 septembre 2015 qui invite, encourage au port du faso d'Anfani. Mais il y a une interprétation ou une autre lecture en lieu et place d'inviter et encourager. Beaucoup ont lu imposer, décide. Donc il y a une petite nuance. Donc, ce qui fait qu'il y a une polémique, donc on a tendance à ce que, on s'attendait à ce qu'il y ait une décision ferme, claire et nette ici et maintenant. Alors que ce n'est pas le cas, compte tenu du fait que c'est une invite, un encouragement. Donc, il faut voir la question et aller progressivement. Ce qui fait qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, nous avons en collaboration avec d'autres départements ministériels, deux projets de décret avaient été initiés dans ce sens. Mais les juristes nous ont conseillé que, compte tenu de l'esprit du Conseil des ministres de 2015, on ne pouvait pas passer automatiquement à l'interdiction formelle. Donc nous sommes en train de réfléchir comment trouver des solutions alternatives, des paliers, en attendant une réflexion plus approfondie. Ce qui fait qu'il y a un comité interministériel qui a été mis en place avec le ministère du Commerce, le ministère de la Justice, notre département. Nous avons associé les tisseuses et nous associerons également les grossistes de fil. Donc la semaine dernière, j'ai eu des échanges avec les grossistes de fil dans ce sens. Et donc, je pense qu'ensemble, si on essaie de réfléchir, l'idée qui nous vient, c'est de façon alternative, qu'est-ce qu'il nous faut faire? On peut penser déjà à protéger quelques motifs de pain tissé, à protéger aussi quelques thèmes, si bien que chaque année, un comité va décider de quel motif, quel thème protégé on prendra pour la journée. Et donc, tous ceux qui voudront travailler dans ce sens seront obligés de payer les droits d'auteur pour l'utilisation. On vous aura bien compris, Madame la Ministre. Merci. Très rapidement, quel sera le programme de la cérémonie officielle après-demain? Ok, merci. Et la cérémonie officielle, le programme après-demain, nous aurons des séries de discours. Par exemple, le discours du maire de la commune de Ouagadougou, le discours des responsables de femmes, discours des parrains, et le discours du ministre en charge de la femme, le discours de la première dame qui est la patronne de la cérémonie. Et nous avons pensé cette année demander les services d'un slameur qui sait chercher les mots, trouver les mots en français comme en langue pour vraiment
et toucher les cœurs par rapport à la thématique que nous avons retenue. Et nous allons avoir aussi une grande parade. Il y aura aussi des décorations qui seront faites ce jour-là. Voilà un peu ramassé merci ce que beaucoup, nous concoctons madame. Pour vous. D'accord, merci beaucoup madame Laure Zongo Yen d'être passée sur notre plateau et bonne fête du 8 mars. Je rappelle donc que nous recevons la ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille venue donc parler du 8 mars, édition 2017. Merci, bonne fête à vous. Merci. Suite à ce journal, le projet dénommé Amélioration de l'accès aux services d'eau potable a été lancé le 3 mars dernier à Banfora. Il s'agissait d'une cérémonie de lancement officielle puisque les activités entrant dans le cadre de ce projet ont démarré depuis 2016. Et c'est un projet dont l'ambition est de toucher plus de 66 000 personnes vulnérables dans 5 communes de la région des Cascades. Il va consister à aménager et réhabiliter des services d'eau potable dans les localités bénéficiaires. Plus de précisions avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Le projet amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest de Burkina Faso est une trouvaille des programmes WaterAid Burkina en collaboration avec d'autres structures. Prévu pour durer 3 ans, il va intervenir dans les communes de Banfora, Beregadougou, Moussodougou, Peni et Toussiana. 66 200 personnes vulnérables sont concernées. Nous allons réaliser des points d'eau, nous allons réaliser des forages dans ces différentes communes, nous allons réaliser des latrines, nous allons réhabiliter aussi des latrines. Au niveau des communautés, nous allons développer des approches avec les ménages pour un changement véritable en matière d'hygiène et d'assainissement. Les bénéficiaires ont salué l'avènement d'un tel projet. Pour eux, il va contribuer à améliorer le taux d'accès à l'eau potable dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins. Un taux qui est estimé actuellement à 56,7% pour les Cascades et à 49,6% pour les Hauts-Bassins. Ça nous permet d'avoir une population qui est en bonne santé. Et une population en bonne santé, c'est une population productive et qui parle de production, parle de développement. À noter que le projet amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina a démarré depuis 2016. Son coût de financement est de 1,5 milliard de francs CFA. Dans le secteur de la santé, depuis ce 6 mars, le vaccin dénommé Menafrivac est désormais introduit dans la vaccination de routine au Burkina Faso. L'introduction de ce nouveau vaccin permettra, selon les autorités sanitaires, d'éradiquer les épidémies de méningite à méningocoque A. La cérémonie d'introduction du vaccin Menafrivac a été organisée ce matin à Ouagadougou par le ministère de la Santé et ses partenaires. Le reportage de Kossoun Koulibaly et Aimé Solange à Djigima. En infirmier du jour, le ministre de la Santé, Nicolas Médard, acte officiellement l'introduction du vaccin Menafrivac dans le programme élargi de vaccination au centre de santé et de promotion sociale de Dasasgo. Une opération qui vise à lutter contre les épidémies de méningite à méningocoque A. Depuis 2010, la surveillance basée sur les cas a permis de comprendre très vite que ce vaccin était efficace. Au Burkina Faso, seulement 4 cas de méningite de ce groupe A ont été identifiés. Alors qu'avant, on dépassait 10 000, 15 000, 20 000 avec des morts. Les enfants de 15 mois constituent la population cible pour l'administration de ce vaccin qui, selon le ministre, est disponible sur toute l'étendue du territoire national. Une disponibilité rendue possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Le paiement de ces vaccins est fait par l'Alliance globale pour les vaccins, le mouvement Gavi et le gouvernement qui a mis une part importante du budget. Mais c'est l'UNICEF qui se charge donc de l'achat, de l'acheminement et de la réception, stockage au niveau de la chaîne de froid. Nous devons nous assurer que le vaccin est disponible chaque fois que de besoin. Nous devons nous assurer aussi que le message de sensibilisation qui sont faits à l'endroit des parents et de la population en général, que ces messages-là portent leurs fruits. Un appel a été donc lancé à la population de se mobiliser et d'adhérer à cette opération dont le coût global se chiffre à plus de 454 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans.
Les parutions de ce lundi se sont intéressées aux sujets qui ont fait la une durant le week-end écoulé. Ces sujets sont l'attaque à Kourfayel dans le Soum et la clôture de la 25e édition du FESPACO. Cette semaine, la revue de presse porte la signature de Toboum Evelyne Dabiri. Alain Gomis, félicité. Félicité remporte les talons d'or. Les parutions rapportent diversement la clôture du 25e FESPACO. Et pour la seconde fois, en 2013 comme en 2017, informe aujourd'hui Osfaso, le Sénégalais Alain Gomis remporte les talons d'or. Au-delà de la cérémonie de clôture et des palmarès expliqués dans Sidoya, aujourd'hui Osfaso estime que la présence de Alassane Ouattara à la cérémonie de clôture a raffermi les liens entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, des liens qui ont été maintes fois menacés et secoués par des orages de foyer. Pour ce journal, le FESPACO a ainsi permis aux deux pays de célébrer des épousailles nouvelles. Cependant, l'ambiance festive à Ouaga contrastait avec celle du nord du pays, remarque le journal Le Pays. Et pour cause, Djibo subissait de nouveau la veille de la clôture une attaque terroriste. L'observateur Palga explique, le vendredi dernier, dans le village de Kourfayel, deux personnes ont été abattues, dont le directeur de l'école Salif Badini. Un crime à l'actif de Ibrahim Malam Diko, qui se taillait cadavre après cadavre, un sanctuaire dans cette partie du Burkina. Le pays rappelle qu'en fin janvier, des hommes armés avaient fait irruption dans une école de la zone, menaçant les enseignants de renoncer au curricula officiel au profit de l'arabe et du Coran. Et le moins que l'on puisse dire, ils l'ont fait poursuivre le pays. Et du coup, les terroristes ont réussi leur coup en tuant Salif Badini, soutient l'Express du Faso. Et s'ils s'en prennent maintenant à la craie, il s'attaque au pilier de la République, l'école, analyse l'observateur Palga, qui rappelle que ce prédicateur extrémiste, Malam Diko, avait été arrêté en 2013 à Tessalit, dans le nord Mali, par l'opération Serval, avant d'être libéré en 2015. Cette information avant de se séparer, la Sonabel informe ses abonnés qu'en raison de travaux d'entretien prévus du 6 au 10 mars 2017 sur un important groupe de son parc de production d'énergie, le partenaire ivoirien a annoncé une réduction temporaire de la puissance électrique importée grâce à la ligne d'interconnexion. Cette situation va entraîner des perturbations dans la fourniture de l'électricité pendant la durée des travaux. Les dispositions utiles sont prises par la Sonabel pour limiter les effets de ces entretiens sur la clientèle à travers la publication d'un plan indicatif d'alimentation des abonnés de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RCV.